Bonjour Muguet, Main et Rocher, Zizi de Slip, BBC Broadcast, Kanewa sur chaussettes à haut talon super, s'embrasse facile, remercions le verrou et la mouche. Alors, pas ça, pas ça, oh là, non, pas ça. Bonjour Rocky. Salut Jess. Ah, chouette. Tu t'es enfin décidé à choisir tes prochaines vacances? Oh ouais, mais je trouve pas. Bah, comment c'est possible, avec tout le choix qu'il y a? Oh oui, mais c'est parce que c'est comme les siestes, ça dure jamais assez longtemps. C'est trop court, les vacances. Enfin, sauf pour Lily, hein, bien sûr. Regarde, elle m'a encore envoyé des photos. Transat, plage, tranquille, quoi. C'est classe, dis donc. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je veux, c'est... Oui? C'est changer de vie. Ah, carrément. Oh, parfois, je sais pas, je me dis que j'étais fait pour l'aventure. L'imprévu. Jess, pourquoi tu rigoles? Rocky, y a pas plus flippé que toi. Moi, hein? Y a pas plus courageux que moi. Le soir, quand je m'endors, je me vois sur les mers, en explorateur. Je découvre des îles incroyables. Je suis cow-boy. Et puis ça change, je suis indien. Et je galope sur mon cheval. Parfois, je suis archéologue. À la recherche des tombes des pharaons. Je parle plein de langues. J'ai un lasso. Je me déplace à d'autres chameaux ou même sur un dragon. Mais c'est génial d'avoir des rêves fous. Et t'es pas le seul, je parie, hein? Vous aussi, non? Vous en avez des rêves d'aventure, hein? Vous entendez? C'est l'heure du colis mystère! Allez, au travail, monsieur l'aventurier! C'est mes yeux ou toi aussi t'as l'impression qu'il y a un pied? Oh! Un pied un peu flippant, même, non? J'adore! Oh, moi, j'ai peur de rien, moi, tu sais. Vas-y, touche-le un peu. Ah! Ah, c'est dégoûtant! On dirait comme une peau. Et il pue? Oh, oui! Oh là 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 là! Oh, il sent comme la vase et les vieilles feuilles mortes. Oh my god, oh my god, oh my god! Oh, j'ai peur! Si ce pied, a sûrement traîné dans un lac. C'est un cadavre! Alors, grand aventurier, peur de rien. Ah, mais regarde! Ça vient d'un certain Steve, chasseur de monstres. Oh, Écosse, Royaume-Uni. Chasseur de monstres? Oh, mais c'est de pire en pire. Oh, t'imagines, c'est le collier dangereux. Ben, dangereux, je sais pas, mais bizarre, oui, ça, c'est certain. Alors, à votre avis, que contient le colis? Le pied d'un martien? Le pied d'un monstre bizarre? Ou alors, le pied d'un aventurier imprudent? Allez, on ouvre! T'es prêt? Non! 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 Mais on n'a pas le choix, Jess! C'est notre devoir d'ouvrir! Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait un gros ver! Oh, la peau de quelque chose qui a mué! Ouais, muer, ça veut dire perdre sa peau! Comme un serpent, quoi! Moi, je dirais que c'est plutôt un animal aquatique! Parce qu'il est humide, tu vois. Ah ouais, un serpent de mer alors. J'en ai déjà vu sur YouTube, mais... Mais d'une taille comme ça, jamais. On va peut-être en savoir un peu plus avec la lettre. Oh, ouais. Je peux la lire? Bah oui, vas-y, je... Oh, en plus c'est en anglais, je suis trop fort en anglais. J'ai un super accent et tout, du coup... c'est facile ensuite avec les applis de traduction. Hello, Jess and Rocky, this is from the BBC. Can you please take care of me super handful super easy? Thank you very much. Hop, et voilà. Bonjour Muguet, Main et Rocher, Zizi de Slip, BBC Broadcast, Kanewa sur chaussettes à haut talon super. S'embrasse facile. Remercions le verrou et la mouche. J'ai pas dû appuyer sur anglais en traduction. Oui, ça doit être ça. Ou alors c'est ton super accent. Bon, alors, laisse-moi te le déchiffrer. Alors, bonjour Jessica, bonjour Rocky, patati patata. Ah, voici une peau de monstre factice qui vient du Loch Ness, un grand lac de montagne dans la région des Highlands, en Écosse. C'est le fameux monstre du Loch Ness. En tout cas, il a pas fière allure, hein. Qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Oui, il est tout raplapla. Oh, ça doit être le voyage. Oh, il faut le retaper. On va s'occuper de toi. T'inquiète pas. On va te remettre sur pied. Non mais, mon petit Rocky, tu vois quand même bien que c'est pas le vrai monstre. Oh, mais si, si, c'est le monstre. Il peut rester avec nous, s'il te plaît, Jess. Oh, oh, je vais lui chercher des petites choses à manger. Oh, oh, oh. Alors voilà. Rocky, ça, oh, tu crois qu'il aimera les flancs aux œufs? Oui, 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 Rocky, mais je veux dire, enfin, je... Oh là 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 là. Tu vois la baballe? Tu la vois? Ah, alors, t'es prêt? Allez, cherche ta baballe! Cherche ta baballe! Yeah. Oh! Eh, ça va pas, non? Désolé! Non mais, Rocky, ça fait la 8e balle que tu lui lances. T'as pas l'impression que ça marche pas des masses, ton truc? Oh, t'as raison. Oh, et si on faisait un selfie? Non. Oh. Regardez avec qui je suis. Respect, le vrai et l'unique hashtag le monstre du Loch Ness, mon poteau. Ah, voilà, j'ai trouvé la vérité sur le monstre du Loch Ness et à mon avis, ça va pas te plaire. Oh, on peut le garder, hein. On peut le garder. S'il te plaît, Jess, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Mais Rocky... Tu devras pas t'en occuper, je te jure. Oh, il est trop sympa. Et puis, en plus, il perd pas ses poils et on s'adore. Regarde là, là, tu vois cette photo? Ouais. Eh ben, c'est la photo qui a lancé la Nessie Mania. Nessie, c'est le nom qu'on a donné au monstre. Oh, bah ouais, on le voit très bien, le monstre, là-dessus. Donc c'est vrai. Mais non, en fait. Quoi? Bah, une photo, ça peut être manipulé, ça peut être arrangé, ça peut être fabriqué, quoi. Mais pas celle-ci, tout de même, enfin. C'est la fameuse photo du monstre du Loch Ness, quoi. Le type qui l'a fabriqué, il a tout avoué. Il avait fait un montage dans son jardin avec un jouet en plastique pour se rendre intéressant. Déjà des fake news, mais c'est nul. Une pomme de pain. Ah, mais si. Rocky, Rocky, écoute-moi. Ce qui s'est passé, c'est que quand les gens veulent croire à quelque chose, bah, c'est difficile de le sortir de leur tête. Les gens, ils aiment le mystère. Bah, regarde-toi. Non, c'est vrai que j'aime les mystères. Et bah voilà. Pas vous. Pas toi, Nessie. Oh, 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 regarde ça. Il a mué. Oh, c'est trop mignon. Regarde sa nouvelle petite main. Oh, oh, c'est tout doux en plus. Oh, trop chou. Alors, pour reprendre, c'est que les gens, ils ont continué à dire qu'ils avaient vu nager quelque chose de bizarre dans le lac. Et c'est même devenu une obsession, avec toutes sortes de théories bizarres. Et comme quoi, par exemple? Mais par exemple, on a dit que c'était un dinosaure de mer préhistorique qui aurait survécu à la disparition des dinosaures. Oh, comme dans Jurassic Park! Oui, oui, si on veut. Trop dingue! Et quoi d'autre comme théorie? Bah, un requin ou une espèce d'otarie au long. Oh, ouais, d'accord! N'importe quoi! Et pourquoi pas un éléphant? Ah, mais on l'a dit aussi! T'entends ça, mon pote? On t'a pris pour un éléphant! Et en fait, l'info, elle aurait été lancée par un directeur de cirque qui voulait se faire de la pub. Tu sais, genre, encore une fake news! Ce soir, à 20h30, grande représentation du cirque avec un super guest, l'éléphant bizarre qui prend un bain dans le lac et se fait passer pour le monstre du Loch Ness! Ils sont complètement fous, ces Écossais! Ils sont pas si fous que ça, hein, parce que la légende du monstre du Loch Ness, elle a fait le tour du monde et a attiré des millions de touristes dans la région. Et puis enfin, il y a quelques mois, des scientifiques sont venus de Nouvelle-Zélande et plein d'études ont été faites. Et là, je suis désolée de te le dire, Rocky, mais on n'a rien trouvé. Nada, rien, juste des anguilles au fond de ce lac qui est le plus profond d'Écosse. Ah bon? Oui. Mais t'es certaine? Ah oui, je suis désolée. Oh. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi t'es tout cassé, Nessie? Oh. Allez, Rocky, allez, reviens parmi nous et ouvre les yeux. Ce n'est pas le monstre du Loch Ness. Oh, mais t'es sûr? Eh oui. Oh, oh, mais mon selfie a déjà plus de 10 000 likes en quelques minutes. Oh my god. Oh, mais comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Comment j'ai pu être aussi naïf? C'est ridicule. Oh, j'ai trop la honte. Mais tous mes amis vont me prendre pour un mytho. Oh, oh mais non, Rocky. Allez, t'inquiète pas là, va voir là. Tout va s'arranger, hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Jess. Ouais. Oh, et d'ailleurs, j'ai une idée. Ah oui, quoi? Ben, t'es un peu impliqué dans l'idée. Ok, je t'écoute. Ouais, alors comment dire
Tu vois le costume là ? Mm-hmm. Tu vois Nessie ? Oui. Ah, tu te vois toi ? Bah oui. Ouais, et tu vois le rapport entre les deux ? Rocky. Mm-hmm. Sérieux ? Rocky. Vraiment là ? Même jusque là ? Oh mais ouais, je te jure, t'es parfaite. Tout ce que t'auras à faire, c'est attraper la baballe, hein, quand je te la jette. Et puis tu me fais un check en grognant, et puis tu fais double pouce. Quoi, comme tu ça? Ben ouais, comme ça. Oui, oui, parfait, comme ça. Okay. Comme ça, je garde la tête haute, et tout le monde pense que je connais vraiment le monstre du Loch Ness, et je perds pas de followers. C'est tout? Ouais. Bon, bah si c'est pour la bonne cause, alors... Et vous, quelles grandes aventures vous font rêver? Celles dans la jungle, celles dans les grands fonds? Au pôle Nord, grimper les hautes montagnes, vous croyez aux grandes légendes? Et le monstre du Loch Ness, vous l'imaginez comment? Tout est possible puisqu'il n'existe pas. Allez, envoyez-nous les dessins de votre monstre du Loch Ness, ça va être rigolo. Je suis certaine en plus qu'il y en aura des bien classes. Ouais, clair. Bon, allez, on y va. Hop. Eh ben, où ça? Bah, faire la vidéo avec la baballe. Bon, allez, heureusement que le ridicule ne tue pas. Et voilà, c'est bon. Ok. Ça tourne. Action. Va chercher la baballe, va chercher la baballe. Allez, allez. Hop. C'est ça, c'est ça. Vas-y, reviens, reviens. Oh oui. Oh, elle est trop forte, cette Jess.